Każdy, kto słyszy Bordeaux, myśli, nawet jak nie zna regionu winiarskiego, myśli sobie bogactwo, wielkie chateau, najlepsze wina, najlepsze winogrona. Światowa sława, wzór do naśladowania, fenomen. Doceniany przez wszystkich, od dawna zachwyca wielkimi posiadłościami, ciepłym śródziemnomorskim klimatem i bajecznymi zachodami słońca nad Atlantykiem. Bordeaux to jeden z największych regionów winiarskich we Francji, produkujący wysokiej jakości wina. Mimo wyodrębnionych kilku subregionów, wszyscy dzielą go na lewy i prawy brzeg. To one dostarczają nam na stoły znany na świecie czerwony bordowski blend. Grzechem byłoby ominąć to miejsce. Znajdujemy się na lewym brzegu Żyrondy. To tutaj powstają najdroższe wina na świecie. To tutaj znajdziemy najwspanialsze chateau, wielkie posiadłości i niesamowite widoki. Rzeka to jeden z głównych czynników wpływających na wino. Stabilizuje temperaturę oraz wilgotność powietrza. Gleby tworzą idealne warunki do uprawy. Znajdziemy tutaj Merlot, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc. Pyszne, słodziutkie. Ale ta skórka ma taki charakterek fajny. Krzewy są przycięte równiutko. W idealnych odstępach. Jest wielka posiadłość, zamek, winogrona. Zamek, winogrona. Zamek, winogrona. Niesamowite. Nie byłoby dobrego wina bez ingerencji człowieka. Bordowskie wina od lat zyskują miano jednych z najdroższych na świecie. Stworzona pod eksport infrastruktura sprawiła, że region w krótkim czasie stał się liderem. Wina z Margaux, czy też z innych królujących tutaj apelacji, stanowią pewnego rodzaju wzorzec dla innych win. Od dawna kojarzone są z perfekcją wykonania, potencjałem do starzenia i długowiecznością. Tu ciężko znaleźć małe rodzinne winiarnie. Naprawdę posiadłości są ogromne. W internecie, jak patrzyłem, degustacje kosztowały od 15 do 30 euro. Oczywiście tam jest zwiedzanie piwnic, pola i malutka degustacja na koniec. Albo miałem pecha, albo ciężko dostać się do winnic bez umówionej wcześniej wizyty. Co prawda całość robi na mnie wrażenie, ale dzisiejszy brak degustacji i upał sprawił, że potrzebuję się trochę odświeżyć. Najlepszym miejscem do odpoczynku jest wybrzeże. Bliskość oceanu to zbawienie dla winogron. Zapewnia im łagodny klimat bez nagłych wahań temperatury. Żegnam się z oceanem i podążam w kierunku Graf. Po jakimś czasie zauważam białe winogrona, które są tutaj rzadkością. Ich uprawa nie przekracza nawet 20%. Poszukam tutaj jakiejś winiarni i spróbuję jakiegoś ciekawego wina. Nous sommes bienvenus au Château Coutet, qui est un premier grand cru classé de Sauternes, en appellation Barsac. Au fur et à mesure des siècles qu'on a travaillé les sols, on prenait les pierres et on les sortait, on les mettait sur le côté. Et au fur et à mesure, bah, les pierres elles sont montées, et ça a fait des murs tout autour de la propriété. Quel cépage il y a à votre château? Alors, dans l'appellation Sauternes, Barsac, on a donc comme cépage majoritaire le sémillon. Le sémillon, c'est vraiment le cépage roi sur l'appellation Sauternes et Barsac. Ensuite, il y a aussi le Sauvignon blanc. Sauvignon blanc qui est un cépage qui apporte un peu plus de fraîcheur et de fruité. On a la muscadelle. La muscadelle qui est un cépage exotique qui apporte de la complexité. Alors, ce qui est très important à Barsac, parce qu'ici on est dans l'appellation Barsac, on a un terroir qui est. C'est de l'argile avec un petit peu de sable. Et c'est un sol qui est différent de l'appellation Sauternes, où à Sauternes, c'est des terroirs de graves, c'est des gros cailloux qui sont des terroirs qui sont chauds. Ici, on a un terroir d'argile qui sont des terroirs froids, et c'est ce qui va faire la spécificité du vin. Un terroir froid va donner des vins frais, un terroir chaud va donner des vins qui sont plus opulents. Voilà. Donc à Coutet, on a des vins qui sont sur la fraîcheur, sur l'acidité. C'est ça qui fait la spécificité du vin de Barsac et de Coutet par rapport aux autres vins de Sauternes. Voilà. Alors après, pour la culture, on a une culture très traditionnelle. On travaille les sols comme on les travaillait il y a des siècles avec des charrues. Donc on n'utilise pas d'herbicides du tout. Tout est travaillé mécaniquement. Ou alors, aussi on a parfois, comme dans ces parcelles ici, on a un enherbement, on a de l'herbe qui est laissée un petit peu dans les vignes quand elles sont un peu plus jeunes.
et on travaille aussi le sol en dessous des rondines. Donc c'est une culture qui est très traditionnelle, qui respecte l'environnement, et on travaille les sols comme on les travaillait il y a 100 ans. Voilà. Quelle est la date des vendanges? Alors cette grappe-là, vous voyez, n'est pas encore mûre. La date de vendange, en général, on commence les vendanges fin septembre. Et après, tout le mois d'octobre, on vendange et on peut terminer jusqu'au mois de novembre. Voilà, donc c'est assez long, des vendanges assez longues ici. To, czego nie udało wytłumaczyć się na krzaku, zobaczymy w piwnicy. Donc en fait, on a des raisins qui sont d'abord mûrs. Ensuite, le champignon va se mettre à l'intérieur et le raisin va devenir un petit peu marron. Ensuite, on va avoir une sporulation du champignon, une fructification. Et enfin, le raisin va commencer à se dessécher et l'eau va s'évaporer et le sucre va se concentrer. Donc il va y avoir de plus en plus de sucre au fur et à mesure que le raisin se concentre. Et c'est avec ces raisins-là qu'on va faire notre vin. Tous les procès compliqués. Oui, le processus est très compliqué parce qu'il faut apprendre aux vendangeurs à sélectionner les bons raisins. Et ça, c'est très difficile. On a besoin d'avoir les mêmes vendangeurs tous les ans qui reviennent pour avoir des gens qui savent faire, parce que s'il faut avoir l'œil, parce que parfois on a donc des beaux raisins comme ça, mais aussi quand les raisins sont pourris, on peut avoir des mauvaises pourritures. Et on veut que la pourriture noble, ça s'appelle la pourriture noble, noble rot. C'est vraiment le seul raisin qui va donner un goût au vin merveilleux. Donc une fois que les raisins sont ramassés, on va les mettre dans les pressoirs. Le pressurage, c'est quelque chose d'assez simple. Ça met très longtemps, ça met à peu près 3 heures pour presser une fois. Ensuite, on va sortir tous les raisins, on va casser, parce que ça va être comme un gâteau, on va casser ce gâteau, on va le remettre dedans, et on va represser une deuxième fois. Donc les deux pressés. Ce moût, il va être très, très épais, il va y avoir beaucoup de particules dedans. Et donc il va falloir le laisser sédimenter pendant une nuit pour qu'on va prendre que la partie qui est très limpide, claire, et c'est avec cette partie-là qu'on va faire la fermentation alcoolique. Et donc la fermentation alcoolique, elle va se dérouler dans le chai à barrique qui est là-bas dans les barriques. Donc une fois que la fermentation est finie, on va stopper la fermentation avec un froid, on va remonter le vin dans des cuves, on va le mettre à 4 degrés, ça va tuer les levures, et ce qui va permettre de stopper la fermentation alcoolique. Et ensuite, on va réentonner le vin pour l'élevage. Donc, on a plusieurs tonneliers qui ont chacun un petit secret, une petite fabrication différente qui va donner des arômes et des goûts différents au vin. Et c'est cette multitude de différents arômes supplémentaires qui vont être intéressants dans cet élevage en barrique. On va élever le vin pendant 18 mois. Et au fur et à mesure de l'élevage, les vins vont être soutirés tous les 3 mois, c'est-à-dire que le vin est encore trouble, donc ça va encore se déposer au fond de la barrique, c'est ce qui s'appelle la lie, et on va à chaque fois prélever la partie haute, la mettre dans une autre barrique, et on enlève la lie, et on nettoie la barrique, et on repart encore pour 3 mois. Voilà. Donc tous les 3 mois, jusqu'à l'assemblage final, où on va... Au cours des vendanges, on va avoir une trentaine, une quarantaine de lots différentes qui proviennent des différentes parcelles du château. Et on va déguster le vin et mélanger pour avoir le meilleur château coûté possible. Ce qui va nous permettre ensuite donc de faire l'assemblage, de mettre dans une cuve pour mettre en bouteille ensuite au mois de 18 mois après, donc à peu près au mois de juin de l'année N+1. Voilà. Wreszcie przychodzi czas na to, co wszyscy uwielbiają najbardziej. Zobaczymy, jak to wszystko smakuje. Donc on va déguster deux millésimes du château Coutet, le millésime 2009, qui est un très très bon millésime, vraiment parmi les millésimes références de ces 15 dernières années, et le château Coutet 2015 que l'on vient de mettre en bouteille il y a quelques mois. Alors on va commencer par le millésime le plus jeune. Donc le Coutet 2015. Ça sent bon.
Merci. Délicieux. C'est le vin fort. Oui. C'est un eau léger. Oui, il est puissant. Il a beaucoup d'arômes à cause du champignon, le Botrytis cinerea. Et ensuite, en bouche, quand on le déguste, on a le sucre qui est là, mais on a aussi de la fraîcheur. Il n'y a pas trop de sucre. On dit qu'il y a un équilibre entre le sucre et l'acidité. Et ça, c'est vraiment la qualité des vins de Barsac et du Château Coutet. Le Château Coutet 2015, il y a un peu plus de 150 grammes de sucre. Il y a 151 grammes de sucre, ce qui est beaucoup. Mmh. Ce qui est beaucoup, mais on peut se permettre d'avoir beaucoup de sucre à Barsac puisqu'on a l'acidité qui est donnée par notre sol argileux. Rzeczywiście świeże. Bon. Quand les vins sont jeunes comme ça, on a des arômes exotiques, de fruits exotiques, de mangue, d'ananas. C'est des vins qui sont très agréables à boire jeunes. Et c'est aussi une des grandes qualités des vins de Sauternes Barsac et du Château Coutet, c'est qu'on peut les boire très jeunes. On n'a pas besoin d'attendre que le vin ait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour pouvoir le boire. Et ça, c'est vraiment une qualité. Et maintenant, on va goûter donc le Château Coutet 2009, qui est vraiment, c'est un très grand millésime sur l'appellation Barsac. La couleur est d'or. Voilà, la couleur est d'or. C'est la couleur d'or. Au fur et à mesure que les vins de Sauternes et de Barsac vieillissent, la couleur devient de plus en plus foncée. Et quand sur des très vieux coutets, c'est noir. Vraiment, c'est impressionnant. On a ici au Château Coutet des vins qui ont plus de 100 ans. Et le vin est vraiment noir dans la bouteille. Donc là, c'est au nez, on a des arômes qui sont beaucoup plus confits, des arômes d'abricot, des arômes de coing. On a aussi un peu du pain d'épices. C'est plus du tout les mêmes arômes que quand c'est très différent du vin quand il est jeune. Et c'est vraiment des arômes qui arrivent au fur et à mesure. On a encore un petit peu de fruits frais quand même avec tout ça. Mais c'est vraiment beaucoup plus sur le confit, le rôti, on appelle ça le rôti. C'est vraiment les arômes qui se développent, les arômes de Botrytis qui se développent là. Et en bouche, on a une belle puissance, mais quelle remarquable fraîcheur. C'est vraiment là l'équilibre parfait, c'est le vin qui est vraiment à son optimum. C'est vraiment... Il faut pas attendre de le boire, il faut en profiter. Błądząc po Bordeaux, udało mi się znaleźć inne wino od tego, którego szukałem. Czy żałuję? Absolutnie nie. Od teraz ten słodki, świeży, tropikalny smak będzie przypominał mi o Barsac. To jednak nie oznacza końca mojej podróży. Zamierzam dalej odkrywać nieznane zakątki Francji.